Et salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Theory TV et oldisrising.com. On se retrouve aujourd'hui avec Flower sur PS4. C'est la première vraiment vidéo que je fais avec mon nouveau boîtier d'acquisition. Ça y est, je peux capturer la PS4 de manière totalement convenable. Ouf, ça fait plaisir. Donc j'ai investi dans un Elgato Game Capture HD. Pas mal du tout ce petit boîtier, puisqu'il permet même de streamer directement. Faut que je regarde un petit peu ça. Et donc j'ai réussi à outrepasser la protection HDCP. Vous savez, qui vous empêche de capturer le 1080p, de capturer la PS4. C'est tout simple, c'est avec un petit splitter HDMI en fait qui divise le signal HDMI. Vous regarderez ça sur YouTube, il y en a toute une tonne de ce genre de tutoriel. Donc du coup, je peux enfin capturer la PS3 et ça fait bien plaisir. Je suis quand même vachement content. Je vous l'avais dit sur le test de Killzone et d'Assassin's Creed, au départ c'était pas forcément tip top pour moi pour pouvoir capturer cette console. Je trouvais ça quand même dommage. Et du coup, voilà, quoi de mieux pour faire un petit essai, de se faire un petit live de Flower. Je l'ai téléchargé depuis quelques temps, il est ressorti sur PS4 en fait, et je l'avais malheureusement jamais essayé. Donc c'est édité par Sony Computer Entertainment et c'est développé par That Game Company, qui a été créé en 2006 en Californie. Ils sont sortis plusieurs jeux, hein, That Game Company. Tout d'abord Flow en 2009, Flower, donc le jeu dont on est en train de parler aujourd'hui, et Journey en 2012. Donc je n'ai fait aucun de ces jeux. Flow me branche moyen, mais Flower et Journey me branchent vraiment. Donc c'est vraiment apparemment des jeux à faire sur cette génération de consoles. En tout cas sur la PS3, puisque les jeux sont sortis sur la PS3 à la base. Et c'était quelque chose que je voulais faire. Donc on va pas se prendre la tête, on va se faire une petite partie tranquille. J'ai pas fini le jeu, je crois qu'il y a 6 niveaux. J'ai fait environ 4 niveaux, je crois. Oui, j'ai terminé 4 niveaux d'ailleurs, j'en suis certain. C'est des niveaux qui sont assez courts, hein. Ils se font en une petite vingtaine de minutes, même pas, hein. Tout dépend déjà si vous comprenez le principe du jeu. Parce que oui, il y a un principe. Là, vous voyez, ça ressemble quand même à rien. C'est une sorte d'ovni. Mais c'est tout à fait ce que souhaitent Kelly Santiago et puis Genova Chen, qui sont les fondateurs de That Game Company. C'est de créer vraiment des expériences de jeu uniques, des ovnis. Ils veulent innover vraiment. Et ça, l'innovation, l'expérimentation, c'est vraiment les maîtres mots pour ces deux personnes-là. Donc dans Flow en 2007, on incarnait un organisme organique vivant, un organisme aquatique, pardon. Un flower, vous voyez, c'est toute une série de pétales de fleurs, vous voyez, qui volent comme ça au gré du vent et qui doivent justement faire éclore d'autres pétales de fleurs que vous voyez un petit peu sur la route. Vous voyez ici, hop, je vais ouvrir les bulbes de ces fleurs. Et ça se fait comme ça au gré de cette petite musique. Vous avez vu, à chaque fois qu'on fait éclore des fleurs, il y a une petite musique. Ça interagit musicalement, en tout cas avec l'action qu'on est en train de faire. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la liberté qu'on peut avoir. Ça se joue au joystick, mais également à la, comment dire, à la manette gyroscopique. De la PS4, bon, en l'occurrence ça aurait été pareil sur la PS3, hein, au 6-axis, mais c'est sympa, on ressent vraiment une vraie liberté. Regardez l'animation un peu de ces hautes herbes, j'adore passer comme ça, hop, à travers les herbes, à une vitesse assez rapide, je trouve ça génial. La caméra qui suit super bien, vraiment les mouvements. Enfin bref, c'est voilà, j'avais envie d'essayer cette expérience là. Le jeu est ressorti en fait sur PS4 pour profiter notamment de l'affichage 1080p de la machine. Bon, j'avoue que c'est plutôt joli, sans être non plus hyper impressionné. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Bon, le jeu est sorti en 2012, hein. Je m'attendais quand même un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Surtout ces effets uniques là, voilà, passer sur ces
sur ces fleurs comme ça, et dans ces feuillages, je trouve ça, dans ces herbes, c'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment une impression de contrôler, voilà, ce flot de... Ce flot de pétales là qui souffle comme ça, enfin, qui vogue au gré du vent, c'est pas mal du tout. Enfin, moi je trouve ça assez extraordinaire quand même. Bon, je passerai pas mes journées à jouer à Flower non plus, mais voilà, une expérience à essayer et j'avais vraiment envie de tenter voir un petit peu. Vous voyez, j'ai pu vraiment me diriger dans une petite caverne. Normalement, je vais ressortir par l'autre côté, donc je peux carrément contrôler en fait. Là, je fous le gyroscope à gauche ou à droite. Et ça me permet, voilà, à gauche, d'aller directement sur la gauche. Vous avez des petits défis à certains moments, notamment réussir à faire éclore, en fait, des fleurs cachées, qui sont des fleurs spéciales, tout simplement. Il y en a trois par niveau, j'ai réussi à en avoir une, notamment dans le premier niveau. Alors, c'est pas forcément difficile, elle était justement à la fin du niveau, mais c'est assez, assez joli. Donc voilà, Flower, hein, comme je vous dis, en fait, on est dans les rêves, si vous voulez, de fleurs qui sont en pot, mais qui sont pas dans la nature comme ça, mais qui sont dans un appartement. Vous verrez ça juste après à la sélection du niveau. Et il y a 6 fleurs au total qui font un rêve, justement, de pouvoir voguer comme ça, librement dans la nature. Alors, on le dit poétique, ce jeu, oui, effectivement, c'est empreint de poésie, de... C'est joli, quoi, voilà. Je vais pas dire le contraire, je suis plutôt d'accord. Et puis après, le dernier jeu, bah voilà, That Game Company, hein, c'est Journey, peut-être celui qui m'intéresse le plus de tous ces titres, où on incarne un étrange personnage, voilà, qui parcourt une sorte de désert, dans un espace assez épuré, désertique, et c'est super joli. Ça, vraiment, j'avais beaucoup aimé, j'avais vu la vidéo d'Hooper notamment, j'avais trippé, mais bon, voilà, la presse, de toute façon, a été assez unanime sur ces titres que sont les titres de That Game Company. Donc voilà, moi, en tant que joueur curieux, je vais dire, j'ai voulu vraiment tester un petit peu, voir ce que ça pouvait donner. Voilà, hop, c'est assez rapide, mine de rien. Mais voilà, c'est un jeu vraiment pas prise de tête, vous avez vu, hein, y a rien, y a pas de barre de vie, y a pas de temps, y a pas de mort possible. Regardez-moi ça, magnifique. Ces éoliennes là avec ce coucher de soleil, c'est juste terrible. Oh, c'est quelque part un jeu un petit peu vitrine aussi, hein, d'une machine. Le concept, voilà, hein, il pouvait montrer, n'empêche, ce que la PS3 avait dans le ventre. C'était plutôt bien choisi d'ailleurs. Ouais, ça pouvait montrer justement ce que la PS3 avait dans le ventre. Et bah, faut reconnaître quand même que c'est pas mal. Alors, regardez-moi cette caméra comme ça qui suit les pétales. Alors du coup, ouais, le fait de jouer ces pétales là comme ça qui voguent au gré du vent, ça me fait penser un petit peu à cette fameuse plume, je sais pas si vous vous souvenez, dans le film Forrest Gump, qui vole comme ça, qui sort son bouquin, qu'on retrouve en fait en petit fil conducteur jusqu'à la fin du film. Bah, ça me fait penser à ça, tout simplement. C'est très con, mais bon, ça m'a fait penser à ça. Donc là, on va continuer à avancer, puisque je pense qu'on va même terminer le niveau très très prochainement. Donc la caméra bouge un petit peu et vous indique grosso modo où il faut aller. Putain, regardez-moi ça, c'est touffe d'herbe. C'est super bien rendu, l'effet. Si on pouvait avoir ça vraiment sur les jeux PS4, quand ils vont commencer à maîtriser la machine en termes d'effets, et qu'on puisse avoir des effets de ce calibre sur tout un tas de trucs, ce serait franchement terrible, quoi. Franchement terrible. Voyons. Les musiques sont plutôt cool, franchement, pas de soucis. Donc, comme je vous disais, voyez, c'est quand même assez épuré, hein, au niveau du HUD, puisqu'on n'a rien du tout, on n'a pas d'HUD. Y a pas d'interface visuelle qui va vous montrer combien de fleurs vous avez fait éclore, etc. Apparemment, il y a un petit challenge dans le jeu, réussir à faire éclore 10 000 fleurs. Je sais pas si je vais réussir à le remplir la première fois que je fais le jeu entièrement. Là, je vous ai repris le niveau 3, si je dis pas de bêtises. Et il y a des petits challenges aussi, voilà, dans les niveaux, notamment celui-ci. Vous voyez, il fallait que je passe notamment par cette fameuse grotte où je suis passé tout à l'heure. Donc il y a des petits challenges comme ça. Dans le
dans le niveau 4 si je dis pas de bêtises. C'est super joli parce que vous êtes dans en pleine nuit et vos pétales vont éclairer un peu à la manière d'une luciole, vous devez passer sur un petit cours d'eau comme ça. Donc c'est un petit challenge à l'intérieur du niveau, un petit truc qu'il y a à faire, qui est pas obligatoire. Et voyez là, ce tourbillon, en théorie, c'est la fin du niveau. Je n'ai qu'à le regagner. Il n'y a pas de système de points ou autre. Pas de points de vie, pas d'ennemis, pas d'obstacles. Voilà, la partie, à mon avis, du jeu, hein, peut environ durer les 3 à 4 heures grand maximum, je suppose, à mon avis. Puisqu'il n'y a que 6 niveaux, et je vous dis, en une heure, j'en avais déjà fait... en une heure et demie, 2 heures, pour les faire bien, hein, pour essayer de vraiment tout parcourir, j'avais chopé au moins déjà... 4 niveaux, j'avais déjà terminé 4 niveaux. Ah, hop. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous voyez, montrer justement le petit passage à prendre que je n'ai pas réussi à prendre, même si j'ai été dans la grotte. Donc, vous voyez, chaque fleur en pot, en fait, de cet appartement correspond à un niveau. Vous avez, hop, avec l'aide du Six Axis, c'est la première qui est ici. C'est vraiment le tout premier... je vais refaire celle-ci, tiens, pour vous montrer. Le tout premier niveau, faut maintenir la touche. Et on va rentrer dans le rêve de cette fleur, qui au départ était un bulbe, en fait. Une fois le rêve réalisé, le bulbe éclate et la fleur sort. C'est assez joli. Je vous laisse apprécier un petit peu le design assez particulier quand même du titre. Il y a vraiment une identité visuelle assez forte. Le jeu a vraiment reçu des bonnes appréciations dans la presse spécialisée. Moi, je l'ignorais totalement, je l'avais vraiment... Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer, mais c'est un peu le jeu qui me faisait un peu peur aussi, quelque part. Bon, je suis content d'avoir vu que c'est pas trop mal, mine de rien. Et c'est plutôt sympa. Voilà, en fait, ça commence comme ça, vous êtes juste une petite fleur. Et là, à l'aide du joystick... Enfin non, à l'aide de la touche carrée... Croix, pardon, vous allez directement éclore en un pétale. Et c'est parti, regardez-moi ça. En pleine lumière, c'est juste magnifique. Donc le gyroscope, hein, vous sert à aller en haut, en bas, etc. À vous retourner, etc. C'est bien foutu. Regardez, on se croirait vraiment dans un super beau petit champ. Bah, techniquement, c'est très joli. Moi, ça m'a plu, ça me plaît, je trouve ça vraiment beau techniquement, voir un peu ce que ça donne, c'est classe quand même, c'est vraiment classe. Alors on va continuer, avec le soleil qui resplendit vraiment. Ça me permet de, vu que je vous ai fait la, grosso modo, à peu près 10 ce que je voulais vous dire sur le titre, je voulais vous parler un petit peu des vidéos, ça tombe bien. Concernant les vidéos, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal, notamment en ce qui concerne les contenus un petit peu plus recherchés comme les Yoshi's Arena. Je crois que j'en ai pas fait depuis un sacré moment, je crois depuis septembre. J'ai très peu d'envie de refaire de Yoshi's Arena pour le moment. C'est quelque chose qui me prend vraiment beaucoup de temps, mais j'ai pas du tout la motivation de sortir un épisode, de faire tout le montage, etc. Ça me fait franchement chier. En plus, j'ai plus trop le temps. Actuellement, j'essaye déjà de vous conserver le rythme d'une vidéo par semaine, qui est pas forcément super évident. Je vous avoue que je m'efforce à tenir ce rythme, parce que le jour où j'arriverai plus à tenir ce rythme, je pense que ce sera difficile. Je vous cache pas avoir un petit coup de mou quand même en cette saison 4. Mine de rien, je sais pas trop ce qui m'arrive. Je pense qu'on se dirige quand même vers la fin des vidéos. On s'y dirigera forcément un jour. Je vous dis pas là que je vais arrêter, hein. Je vous fais pas d'annonce, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on est vraiment plus proche de la fin que du début. Je vais notamment, je pense, m'occuper davantage d'Old Dead Rising, je pense. Dans les mois qui viennent, je pense, une fois que j'aurai arrêté vraiment de faire des vidéos, j'ai pas envie de vous quitter comme ça, je vous cache pas, que ceux qui me suivent, c'est vous qui m'avez toujours fait continuer à faire du contenu,
Bon, même si voilà le contenu je le fais parce que ça m'éclate, ça m'amuse, etc. Je le fais aussi pour voilà pour vos retours parce que c'est intéressant de, d'échanger vraiment avec vous les mecs. Je vois que d'ailleurs il y a vraiment que vous en tant que fidèle qui réagissez à ce que je peux mettre comme contenu et bon voilà. Malgré tout, même s'il y a peu de quantité, en tout cas la quantité est bien présente. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas de. Non. Vous voyez, c'est quand même limité au niveau du niveau. On est renvoyé directement par une rafale de vent. Donc on va aller par là. C'est par là qu'il faut aller. Ouais, donc voilà, j'ai pas trop envie de faire de la Yoshi's Arena, nouveau concept, de vidéos spéciales comme j'avais pu le faire avec des défis, vidéos spéciales centième, 200e, etc. Pff, je vous avoue que j'ai un peu la flemme, tout simplement. Je suis honnête avec vous, hein, je vous le dis, ça me fait un peu chier. J'ai juste envie de, actuellement, de capturer et de me laisser aller, de discuter simplement avec vous. Même à l'avenir, sur certaines vidéos, j'ai bien envie de beaucoup moins préparer les choses et me prendre un peu moins la tête. Peut-être que mon salut et un gain de remotivation pourra éventuellement revenir en changeant de manière de faire des vidéos. C'est possible, enfin, en tout cas c'est une éventualité. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est peut-être voilà ce jeu qui me fait m'ouvrir un petit peu à vous. Mais voilà, je suis pas hyper motivé à sortir du contenu de psychopathe de derrière les fagots, j'ai juste envie de voilà laisser tourner la caméra et de vous parler un petit peu de jeu, tout simplement, de ce que je ressens le pad en main sur certains jeux, comme par exemple ce. Lower. On va essayer d'avancer, de continuer un petit peu le niveau. C'est vraiment joli, mine de rien. Il n'y a pas trop de clipping, techniquement, c'est vraiment propre. Je sais qu'il y avait une fleur cachée ici, notamment, dans le coin. Il me semble, c'est peut-être pas ici, c'est un endroit où ça ressemble vachement, mais c'est pas forcément là. On va remonter, hop. J'adore vraiment la possibilité de naviguer au six-axis, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que ça réagit super bien, c'est vachement bien d'adapter. Ça se dirige très simplement, hein. N'importe qui peut jouer à Flower, il n'y a vraiment pas de problème. Ce qui me fait marrer, c'est que je pensais que ma copine allait trouver ça plutôt joli, plutôt sympa, et puis en fin de compte, elle me fait « Bah alors, tu t'éclates à jouer à tes feuilles ?» J'ai dit « D'accord, bon, ok. » je pensais que ça lui... Bon, elle a trouvé. Ça aiguisait sa curiosité, mais pas plus que ça. Mais des fois, ça fait du bien de jouer à un truc un petit peu plus léger. Là, je vous avoue, je viens de me refinir The Last of Us. Excellent jeu. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Parce que je veux lui consacrer une vidéo pour vous donner vraiment mon avis définitif sur ce titre. Je l'ai fait par commentaire interposé, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo bilan de la saison 3. J'avais fait une présentation de la démo de God of War Ascension de The Last of Us, et donc j'ai vraiment envie de reparler plus en profondeur de ce Last of Us. Il le mérite. Très sincèrement, il le mérite. On va avancer là. Ça va faire éclore un maximum de fleurs, on va continuer à avancer, peut-être là-bas. Là-bas c'est bon, ici c'est ok. Vous voyez, on arrive quand même assez rapidement à voir ce qu'on n'a pas encore fait. Je sais pas, est-ce que ça vous donne envie, vous, de voir un peu? Bon, faut savoir que le jeu, il est dispo en boîte pour 20€ avec Flower, Journey, avec Flo et Journey. Je pense qu'à mon sens, c'est vraiment ce qui vaut le plus le coup. Vous avez trois bons jeux indés exclusifs au PSN qui ont vraiment fait parler d'eux et qui ont apparemment marqué cette génération. En tout cas, en ce qui concerne les jeux indés. Donc, je vous invite, moi, peut-être à prendre cette fameuse compile HD avec Flower, Flo
Journey, je pense que c'est peut-être la meilleure chose. Moi, je vous avoue, j'ai pas, je l'ai pris en téléchargement sur la PS4. Je voulais voir ce que ça donnait en 1080p. Il n'existe pas encore de version boîte sur la PS4. Donc, on va attendre. C'est pas très grave. On avance. Il faudrait que j'arrive à trouver la fin du niveau, qui à mon avis est là-bas. Vous voyez, faire ces genres de jeux qu'on fait sans se prendre trop la tête, en prenant notre temps, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, ou qui auraient voulu voir un petit peu à quoi ça ressemble, qui partagent un petit peu en général mes opinions jeux vidéo et à que ça intéresse de savoir un petit peu ce que ce flower peut donner, bah écoutez, voilà, je vous en donne mon opinion présentement, comme vous voyez en plein direct. C'est chelou, je crois que c'était la fin, moi, ici. Par là-haut. Non. Je vous avoue que je sais plus où est le début et où est la fin. Où est la fin. À mon avis, là, on revient au début. Ah, c'est excellent de pouvoir y aller comme ça à fond, là-bas. Début du niveau, donc à mon avis la fin sera plus par là en théorie, à moins que j'ai vraiment oublié de faire éclore une fleur principale ou quelque chose, je me doute, sait-on jamais. Ouais, ah bah, ce truc, je pense, ouais, c'est un jeu qui vous demande quand même voilà, d'être patient et de prendre votre temps. Surtout d'apprécier, voilà, cette liberté qu'on a. Puis quelque part, voilà, je pense que c'est le genre de jeu qui peut-être a tendance à vider un peu la tête. Si on a des soucis ou si on n'a pas trop envie de se prendre la tête aussi, je pense. Donc c'est sympa, mine de rien, de jouer à Flower. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir découvert. Ça faisait longtemps vraiment que je voulais me l'essayer. J'ai mes réponses, tout simplement. Allez. Et vu quand même, mine de rien, l'animation au niveau des herbes, c'est assez excellent. Je vais me répéter, mais ces hautes herbes, on a l'impression d'y être, quoi. C'est ça qui est ouf. Il doit forcément me manquer un truc que j'ai pas fait. À un moment, quand vous allez faire éclore certaines fleurs, ça va changer aussi le cours du vent, le cours du paysage. Des fois, ça transforme un petit peu les éléments. Donc, faut pas en oublier, vous voyez, hop. Voilà, là, déjà, j'ai réussi à reverdir l'herbe. Peut-être que j'ai inversé le cours du vent, on va vérifier ça. Non, pas encore. Pas pour le moment, en tout cas. Une aussi ici, vous voyez, voilà, il m'en manque deux, trois, ce qui permet de modifier un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est quand même joli les effets, hein. Putain, ça claque sévère. Et voilà, là on va arriver sur les dernières fleurs en théorie, et puis bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez découvrir peut-être un niveau supplémentaire en ma compagnie? Moi, je dis que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Vous voyez, il va falloir rejoindre cet arbre, en théorie. On va voir. On va prendre notre temps. Et on va continuer à avancer. C'est le genre de jeu que vous pouvez quasiment jouer à une main, même si le deuxième stick a aussi
une petite importance sur la caméra, mais au final vous utilisez vraiment principalement le stick et le gyroscope. En tout cas pour ma part c'est de cette manière dont je joue. Tout ce qui reste gâchette, bouton classique, etc. n'a pas d'utilité. En tout cas pas pour le moment. J'ai pas. Au moment où j'ai pas encore terminé le jeu, mais j'ai pas trouvé d'utilité à ces boutons. Ah, j'aime bien vraiment récupérer toutes ces fleurs, tous ces pétales, je trouve ça génial. C'est con hein, comme concept, mais ça me vide vraiment la tête. Et voilà, normalement là, on est à la fin du niveau. Ce soleil là, dans cette prairie, c'est top quoi. On peut monter vachement haut. Il n'y a pas de clipping apparent en plus, c'est ça qui est bien. Hop là. Et on arrive à la fin du niveau. Oh, ça claque quand même ces herbes là, putain. Si on passait, vous voyez cette fleur là, celle qui est tout à droite, elle représente le cinquième niveau, l'avant-dernier niveau du jeu. Apparemment ça se complexifie un petit peu, j'ai bien envie de la tester. Donc vous voyez, elles sont toutes flétries ou toutes petites au départ, et une fois qu'elles ont rêvé, elles éclorent comme ça. Hop, allez, on va essayer celle-ci, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Connaître le rêve de cette fleur. Cette cinquième fleur, et puis on s'arrêtera là-dessus, je pense. Voilà. Voilà la fleur en question. C'est parti, premier pétale. Allez, allons-y. Allez, c'est quand même super beau. Hein. J'avoue, j'adore. J'adore cette caméra en fait. Juste excellent. Donc là, en fait, c'est quelque chose aussi de vraiment très instinctif quelque part, Flower. C'est, vous allez vraiment à l'instinct. Vous savez pas trop. La route à suivre au départ, même si certaines fleurs vous marquent un petit peu le territoire, vous pouvez faire aussi les choses un petit peu dans l'ordre que vous souhaitez, et encore modifier un petit peu le décor. Chaque fleur hein, vraiment qu'on croise et qu'on avec laquelle on rentre en collision va nous accompagner avec un pétale, vous voyez, qui s'ajoute à cette traînée de pétales. Oula, qu'est-ce qui se passe? Décharge électrique visiblement. Alors il y a un peu de son, putain merde, il y a un peu de son qui sort de la manette de la PS3, de la PS4. Du coup, donc ça c'est plutôt sympa, notamment. Le vent qui souffle par le haut-parleur, ça c'est bien foutu. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a fait une petite surprise au début du jeu. Et ça renforce un petit peu quelque part cette immersion. Ça, je me suis dit, ça y est, le vent de cette prairie dans laquelle sont embarqués mes pétales, elle a réussi jusqu'à s'engouffrer chez moi. Et ça c'est fort, je trouvais que ça le faisait pour l'immersion. Par là notamment, vous pouvez y aller même lentement hein, si vous souhaitez, il n'y a pas de souci.
c'est vous qui contrôlez vraiment à l'aide du joystick. Waouh. C'est vous qui contrôlez. Ah zut. C'est vous qui contrôlez à l'aide du joystick la vitesse en fait de d'engouffrement de cette fleur dans le vent. Pas trop où je suis. Alors, on va suivre cet élément là peut-être. Je sais pas trop là, hein. Je sais pas trop où je vais. J'y vais un peu à l'aveugle. Ouais, je serais plus branché d'aller par là peut-être. J'arrive à me sortir de ce bourbier. D'ailleurs, un petit problème de caméra là d'ailleurs. C'est bien la première fois. Je trouve un problème dans le gameplay du jeu. Je suis tenté d'aller par là. Peut-être cette tour. Voilà. Encore quelques fleurs à faire éclore. Vous entendez? Je sais pas si vous avez entendu dans le micro. Je vous le rapproche. Histoire que vous puissiez entendre. Donc voilà, ça fait un petit bruit de vent qui sort de la DualShock 4, plutôt agréable. Allez, avançons. Orage qui éclate là-bas. Ah mais c'est directement en fait quand je touche la tour. Vous voyez, je fais demi-tour tranquillement. Et si je réussis pas, hop là, avec le six axis, ça va tout de suite tout seul. Ça qui est génial. On va avancer par là-bas. J'ai vu qu'il y avait des trucs. Je sais pas si c'est ça. On va aller sous cette tour-là. C'est génial vraiment de contrôler la six axis à une main. Comme ça. Assez cool. Ah, c'est quand même mine de rien, c'est assez souple. Je pense qu'au PlayStation Move ça pourrait être pas mal aussi, mine de rien. Donc, concrètement, on a vraiment besoin qu'un seul joystick. Ça pourrait être plutôt frais aussi au PS Move, je pense. Vous voyez, le décor se redessine un petit peu quelque part vers nous. Je sais pas si on va pouvoir accéder à cette partie, s'il faut faire éclore quelques fleurs par là. Ce qui est bien, c'est que vous découvrez quand même pas mal les choses. Une tonne là, j'imagine. Par là aussi d'ailleurs. Peut-être des fleurs que j'ai oubliées, donc on va aller directement les récupérer. Voilà, c'est assez sombre, hein. C'est un peu ambiance ambiance limbo, hein, je trouve. Mais bon. Vous avez vu au moins des niveaux relativement jolis, les premiers que je vous ai présentés par exemple. Ils sont classe. L'avant-dernier niveau qui était dans le noir était plutôt joli aussi d'ailleurs. Tout droit. J'imagine que le but c'est de couper l'électricité partout. Ah, quelque part, ce flower, c'est un peu une sorte de voyage, hein, également. En tout cas, ça peut nous faire penser à un voyage. Un voyage auquel on participe, en tout cas. Même si on ne maîtrise pas trop. Je sais pas du tout s'il y a une replay value du titre, s'il y a quand même quelques statistiques au moins une fois le jeu terminé.
Là, ça va être la grosse découverte pour moi tout à l'heure. Mais je pense que voilà, à la fin de ce niveau, on se quittera là-dessus. En tout cas, ça me donne envie quelque part d'essayer peut-être d'autres jeux de That Game Company. Je pense que cette équipe-là est relativement talentueuse. Hein. Enfin, ils se sont vraiment créés en 2006, en 2007, ils ont directement sorti leur premier jeu, Flow. Enfin, si je dis pas de bêtises, ouais, Flower en 2009 et puis Journey en 2012. Donc voilà, ils ont pas perdu de temps cette équipe. On voit quand même qu'ils ont du talent. Sortir des titres comme ça, trois ovnis coup sur coup en l'espace de 6 ans. Et trois ovnis, attention, hein, qui exploitent quand même plutôt bien le hardware de la PS3, c'est quand même assez. C'est quand même quelque chose, mine de rien. C'est pas donné, je pense, à toutes les. À toutes les filles. Hein. J'ai pas fait gaffe où j'allais. J'étais en train de réfléchir, je regardais mon téléphone portable en même temps, vous voyez, donc... Comme quoi, des fois, même en pleine nature, comme ça, on a du mal à se déconnecter, si vous voyez ce que je veux dire. Aïe. Vu qu'il y a des nouvelles fleurs, je me dis que je suis quand même en train d'avancer. Clairement, je vois pas trop où je vais un peu à l'aveugle. Ah oui. Bon, heureusement, il n'y a rien qui nous fait mourir dans ce jeu. Voilà, vu qu'on déclenche de nouvelles fleurs, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas fait chier sur cette vidéo, parce que c'est un peu le risque aussi, quelque part. J'ai plus grand chose à vous présenter, donc pas parler non plus pour ne rien dire. Ah, il y a un petit cling. Ah, là-bas, on va continuer. Essayer de pas se faire toucher. Ah putain, c'est pas évident quand même à certains moments. À certains moments, c'est plutôt chaud. Hein. Réussir à pas se faire toucher. Donc là, j'ai aucune idée d'où je suis. Ça se trouve, je suis bien paumé. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me demande à quoi va ressembler la fin du stage. Ouais, plutôt des stages, mais des niveaux. Ah, je m'engouffre là dans du vent, dans le sang. Là, ça va être super. Enfin, je peux pas faire marche arrière. J'ai pas l'impression. Cette caméra en poursuite comme ça, c'est vraiment génial. Ah, mais là, c'est pas possible, ça va trop vite. Hyper chaud. Ouais. Je peux pas. Je peux pas esquiver davantage. À la fin du niveau, visiblement, elle a l'air d'être ici. Ouais, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux quand même là-dessus. Bon, bah écoutez, à mon avis, on va se quitter là-dessus. Je vais me garder le dernier niveau pour moi. Je voulais juste vous présenter un petit peu ce Flower, sorti donc sur PS4 là cette année à l'arrivée de la PS4, mais sorti sinon voilà en 2009 sur PS3. Donc essayez-le, hein, toutefois si ça vous branche. Mais en tout cas moi ça m'a bien donné envie d'essayer les autres titres de That Game Company. Écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi's World TV et oldisrising.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.